Conseil pour pouvoir contacter le pouvoir guérisseur des lettres hébraïques. Vous pouvez en conscience contempler la peinture de la lettre et prononcer les mots vibratoires de la prière qui lui correspond. Ne doutez pas du pouvoir de votre verbe. Lire les prières à voix haute appelle le pouvoir guérisseur des grandes lettres. Les 22 lettres vous invitent à partager leur danse d'amour. Elles ont bien voulu imprimer leur rayonnement dans ces peintures qui représentent leur corps. Mais au-delà de l'image, c'est une force d'amour qui vient vous chercher, vous guider, vous guérir. Car il n'y a pas de guérison sans la conscience retrouvée de l'unité. Alors, ouvrez-leur toutes les portes de votre être, dans un état de détente intérieure, en contemplant la lettre, en regardant le centre du dessin, sans vraiment le fixer. Vient le moment où il prend du relief, où la lettre semble se détacher, venir vers vous. Cela veut dire que votre âme est touchée. L'idéal est de ne rien vouloir, sinon être simplement réceptif, à l'écoute. Ne pas s'attendre à quelque chose de précis. C'est le moment de lâcher prise. Au-delà de toute technique, la magie des lettres ne s'utilise pas comme un outil, mais avec humilité et un respect infini. Acceptez enfin de vous laisser aimer comme des enfants, de mettre genoux à terre devant cette lumière qui vous couronne et vous relève. Jour après jour, le dialogue subtil se met en place. L'intelligence de la lettre vous aide à libérer votre âme des lourds manteaux qui la recouvrent. Au-delà du moment privilégié de la méditation, il est conseillé de penser à elle le plus souvent possible, de l'inviter dans votre vie au quotidien pour qu'elle vous guide et vous aide. Et peu à peu, vous apprendrez ainsi à mieux comprendre son enseignement. Laissez votre intuition vous guider pendant la période qui vous conduit à la lettre suivante. Si vous choisissez de vivre ainsi ce cheminement, en toute confiance, dans l'action de la lumière qui vient vers vous, vous sentirez relié directement au grand livre éternel de Kabbalah qui vous attend dans le sanctuaire intérieur de votre être, au-delà des religions et des traditions, dans la vérité éternelle de l'amour. Vous deviendrez pleinement et en conscience, au fur et à mesure de votre avancée, enfant des grandes lettres, de cette puissance créatrice unique qui est notre source de vie. Ouvrez votre cœur, votre âme, au message enfin révélé, car le moment est venu de revenir à la maison. Rencontre avec la splendeur, le pouvoir guérisseur des lettres hébraïques, Marie Elia.